C'est le moment fatidique. Fox News donne Trump gagnant en Pennsylvanie. Pour la chaîne américaine, les jeux sont faits. Cela signifie que Donald Trump sera le 45e président des États-Unis, remportant la plus irréelle, surréaliste élection que nous ayons jamais vue. Du jamais vu, à l'instar de cette chaîne américaine plutôt conservatrice, les grands médias n'osent y croire. En fait, ils n'y ont jamais cru, aveuglés par leur sondage donnant Hillary Clinton victorieuse, avec 85% de chance pour le New York Times la veille du scrutin. Entre Trump et les médias, c'est une relation d'amour et de haine, car dès le début de la campagne, le milliardaire populiste fait les choux gras de la presse, qui met en exergue ses dérapages. Trump dénonce lui un parti pris, traitant les journalistes de corrompus et critiquant même l'organisation des débats. Résultat, la plupart des éditoriaux appellent à voter Clinton, mais sont en décalage total avec la réalité. Les médias sont si malhonnêtes et si corrompus, et la liste est très longue. Le New York Times a écrit un article particulièrement malhonnête. Ils empoisonnent l'esprit des électeurs. Mais malheureusement pour eux, les électeurs voient plus loin. En remportant la Maison-Blanche, Donald Trump a gagné contre les journalistes. Mais les médias américains n'ont pas tout perdu lors de cette élection la plus chère de l'histoire. Avec 7 milliards de dollars dépensés par les candidats, ils ont engrangé d'énormes bénéfices.